Ben, je l'ai connu par une architecte d'intérieur qui s'occupait de la maison, qui nous l'a conseillé par rapport au peu de consommation que cette technologie permettait. Déjà à l'époque, je me disais, dans les années à venir, l'électricité va augmenter. Et puis il y avait un autre avantage, c'est que pour chauffer la maison, il fallait une douzaine de radiateurs, et un radiateur, c'est un pan de mur qui est sacrifié. Et pour l'été, il fallait des clims un peu partout. Les radiateurs, c'est pas spécialement donné non plus. Les clims non plus. Donc finalement, avec la consommation réduite, ça permettait de faire une belle opération. L'avantage en mode chaud, c'est que vous avez une homogénéité qui est parfaite. On a la même température du sol au plafond, Ah même oui, sur les murs. complètement, oui. C'est ça le gros avantage. Ouais, parce que même par rapport à des radiateurs, là c'est homogène. Exactement, quand on touche le sol il est à 20 degrés, entre 20 et 21 degrés de température. Et puis l'inertie aussi, hein, parce que l'inertie, on n'a pas beaucoup d'inertie. L'inertie, c'est le temps de démarrage de l'installation. Il y en a à peu près pour aller grand maximum 1 heure. En général, c'est 3 quarts d'heure. Ah ouais. Voilà, donc c'est un des gros avantages. Et puis surtout, financièrement parlant, quoi. Ici, vous avez une maison, elle fait 225. 225 mètres carrés. Consommation, on était à. Annuel, Oui. on est Tout à. confondu avec la piscine, hein, bien sûr. Ouais, tout. On est à 2700 euros. Voilà. La maison, c'est des. Elle est en béton, hein, Oui. et elle n'est pas isolée, quoi. À part les plafonds, bien sûr. Donc, si on regarde bien, tout confondu, la consommation, elle est plutôt raisonnable. Par exemple, là, je suis sur un chantier de la même surface, hein, les gens ont 6 000 euros de consommation, quoi. Ah oui. Est-ce que vous recommanderiez le concept? Ah oui, sans problème. Voilà. Bon, mais Sans écoutez, problème. c'était un plaisir d'avoir travaillé pour vous. Vous le savez, c'est notre passion, hein, le chauffage, et on essaye d'apporter le plus de valeur à nos clients. C'est ce qui fait que on travaille exclusivement en bouche à oreille, quoi. Les clients viennent à nous de par nos témoignages.